Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Moriv Rabbi Shmuel Ben Shlomo Zalman, Avram Norbert Ben Fortuna Fritna, ainsi que Lirfuat, Chaya Rivka Batla, Shimon Raphaël Ben Rina Efrat, Sarah Bat Nechama et Hanalia Bat Gitel Devora, Betoch, Shaar Chol Israël. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Pesachim, Perek He, Mishnah Hei. A Pesach Nishrat Beshalosh Kitot, Sheneemar, Veshachatu Oto Kol Kehal Adat Israël. Kahal. Ve'eda ve'Israël. Nichnesa katarishona, nitmalet ha'azara, nalu daltot ha'azara. Tak'u ve'heri'u ve'tak'u. Akohanim omedim shurot shurot, ubideim bazikhe kesef ou bazikhe zav. Shura shekola kesef, kesef, ve'shura shekola zav, zav. Lo hayu me'oravim ve'lo hayu la bazikhim shulaim, shema yanichum ve'ikrash hadam. On commence à partir de cette Mishnah. Le rituel concret du Korban Pessah. Imaginez quand même tous les hommes, au moins, hommes et enfants, et même les femmes, selon le Rambam, tient que les femmes le sont obligées aussi de faire le Korban Pessah, c'est-à-dire tout l'homme Israël qui vient en fait à Yerushalayim, on envoie un délégué par famille qui va apporter son Korban Pessah. Il y avait des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers même, la Gemara nous précise, 1 200 000, il y a une fois ça arrivé, Korbanot. Qui ont été apportés en l'espace de 3 heures. Bien évidemment, il fallait un travail à la chaîne des Kohanim qui était merveilleux et qu'on va découvrir dans les prochaines Mishnayot concrètement comment ça se passait. On va voir qu'il y avait le Mizbah au milieu, il y avait des rangées de Kohanim avec en bout de chaîne un qui faisait la Shrita, il récupérait, il faisait passer le verre. On aura l'occasion de découvrir Bezrat Hashem tout ça dans la prochaine Mishnah. Pour le moment, dans notre Mishnah, maintenant la Mishnah Hey, on va commencer à introduire le principe. Et la Mishnah me dit, à Pessah Nishrat Besholosh Kitot. Le Pessah, le Korban Pessah, doit être réalisé, le rituel du Korban Pessah doit être réalisé avec 3 Kitot, 3 groupes. Sheneemar, comme nous dit le verset, Veshachatu Oto Kol Kehal Adat Yisrael. Trois mots qui insistent pour nous préciser qu'il faudra. Vous égorgerez le Ham Israël? Non. Vous égorgerez. Vous ferez la partage rituelle du Korban Pessah. Toute l'assemblée du peuple d'Israël. C'est un peu lourd comme ça. On déduit donc des mots Kahal, Ve'eda, Ve'Israël. 3 insistances pour me dire que, maintenant de manière générale, quand il y a le mot Kahal ou Eda dans la Torah, là on sait que ça inclut 10 personnes. C'est comme l'histoire avec Korach, ils étaient 10. Et donc, on déduit que Kahal, Eda, Ve'Israël font qu'il fallait 10, 10, 10. Soit. En fait, la Mishnah m'enseigne comme ça. Tu vas faire le Korban. Lorsqu'on va faire le Korban Pessah, si vous êtes apparemment 30 personnes, mais en fait, c'est pas exact, il faudrait peut-être 90 personnes plutôt. Je prends pour le moment un chiffre plus gros. Et le faire en 3 groupes. 30 personnes qui rentrent dans le Mizbeach, dans le Beth Amikdash, on ferme les portes, on fait le Korban Pessah. Et après, on les fait sortir, on fait rentrer les 30 suivants, et ainsi de suite avec 3 groupes. C'est comme, c'est ce qu'on déduit du mot Kol Kehal, Adat Israël. Soit, chacun représente 10, la Torah m'a dit t'en fais 30, et la Gemara précise en fait c'est 30, mais à 3 reprises. 30, 30, 30, ou même à la limite tu peux faire 30, 10, 10, si tu récupères 20 de l'un des deux groupes, du premier groupe qui va rester avec les corbanos suivants. Et on continue à traduire la suite de la Mishnah. Nichnesa Katerishona, on va faire entrer le premier groupe. 4, c'est un groupe, entre parenthèses, en hébreu moderne, un 4, c'est une secte. Kita, c'est une classe, un groupe. Donc, Nichnesa Kat Harishona. Lorsque le premier groupe rentrera, Nitmalet Azara, la Azara, l'enceinte du Beth Amikdash, elle est remplie. Et une fois qu'on estime qu'il y a assez de monde, ça s'est rempli. Na'alu daltot ha'azara. On referme les portes de l'Azara. On les ferme complètement. Il n'y a plus de contact, il n'y a plus de va-et-vient depuis entre ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans. Et alors là, taku'u ve'heri'u ve'taku'u. Et on sonnait du chauffard. Avec une tkia, un long son, trois, c'est qu'on le saccade, et puis après taku'u et on recommence à résonner un troisième coup de chauffard. Akohanim omdim shurot shurot. Les Kohanim se tiennent en ligne, tous en ligne, depuis le Mizbeach au centre,
Ils vont faire plusieurs lignes de Kohanim comme ça, j'imagine, même dans même en diagonale et même un peu sur les côtés. Et Ubidehem Bazikhe Kesef ou Bazikhe Zav. Et dans leurs mains, soit des, comment dire, des récipients en or ou des récipients en argent, plutôt en argent ou en or. Bazikhe Kesef ou Bazikhe Zav. Le principe c'est simple. Le but, ne vous perdez pas, c'est pas compliqué. Il faut réceptionner le sang et l'asperger au misbéach. On le fait ça avec, au lieu de prendre n'importe quel récipient, on prenait un récipient luxueux, beau, digne du Beth Amikdash, soit en or, soit en argent. Et la Mishnah m'a enseigné, m'enseigne encore, Shura Shekula Kesef, Kesef, mais Shura Shekula Zav, Zav. Si on a une rangée entière qui a décidé de prendre du Kesef, ils devront veiller à n'avoir que des ustensiles en argent, et pas en or. Et ceux qui ont décidé de faire en or, alors ce sera que en or. Tout ça, l'Agma a conclu, c'est pour donner de la splendeur au Beth Amikdash. L'Ayoum et Aoravim, on ne les mélangeait pas. Entre ceux en or et ceux qui étaient en argent, on ne les mélangeait pas dans les rangées. Veloyo la bazirchim shualim, et la Mishnah continue en me disant Veloyo la bazirchim shualim, dans ces bazirchim, donc ces récipients, il n'y avait pas de socle, comment dire, de fond, pour, de manière à ce que Shema Yanichum veikrash Adam, de peur qu'ils vont le poser et que le sang va coaguler. Notion très très simple. Il y a. En fait, je récapitule, on a le Mizbeach au centre et on a des rangées de Kohanim qui approchent jusqu'au Israël. Vient le premier Israël, il va faire le premier Korban Pessah. On apprendra dans la prochaine Mishnah, c'est qui va faire la Shrine du Korban Pessah, c'est pas le Kohen. Le Kohen, lui, récupère le Bazir, il récupère le sang dans le Bazir, et il va le prendre maintenant, il va le faire passer à son copain, jusqu'à qu'ils vont arriver jusqu'au Mizbeach, et là-bas, ils vont l'asperger. Et la Mishnah insiste donc en me disant, comme ce qu'on a dit, tu peux faire soit prendre des ustensiles en argent, soit des ustensiles en or, mais tu prends pas des rangées en argent et en or, ce n'est pas digne. D'accord? Je crois qu'on a fait le tour de toute la question. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, c'est là.